Entre ciel et mer, l'archipel des Cyclades forme un chapelet d'îles posées en cercle, d'où le nom des Cyclades, autour de l'îlot sacré de Délos, où naquit Apollon. En partant du port du Pirée, nous allons donc en visiter quelques-unes. Allez, c'est parti! C'est notre première étape des Cyclades. Maintenant, nous devons préparer les étapes suivantes en fonction des horaires et des dessertes des bateaux. Pas si simple que cela. On a 3 jours plus presque 4 jours en plus. Que ce que disait le gars là, que à Morbo c'était accessible de Naxos. Naxos, d'accord. On aurait fait Naxos à Morbo, mais à Morbo sans torrent, on était coincé. Ah bah oui, parce qu'on voulait finir. Tu vois la distance, ou pas? Non, il n'y a pas de change. 14h30, 18h, ça fait 3h30. Ouais, il ne faut pas avoir de regrets, ça ne sert à rien. Non, on ne trouve pas autre chose. Alors, pour monter à Polonia, là, elle a dit qu'il y avait 50 minutes de bus. Et voilà. Nous avons réussi à boucler le programme jusqu'à la fin de notre séjour. Les villages de Sifnos s'intègrent parfaitement et harmonieusement dans le paysage naturel de l'île. Vous visitez en ce moment le village d'Apollonia. Panopétalie, autre village ravissant, avec son dédale de petites ruelles. We see the bankers sitting, waiting for a trip. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Nous arrivons maintenant au village de Castro. Ces tas de bouteilles ne sont pas des décharges sauvages, non, ce sont tout simplement des décorations locales. C'est original. La chapelle des sept martyrs avec vue imprenable sur la mer. École réputée de Saint-Sépulcre. Musique.
mais c'est vrai que c'est un peu comme disait Anne-Marie, c'est ce qu'ils disent un peu. Au revoir, Sifnos. Deuxième étape, l'île de Folégandros. Folégandros est une île aride et montagneuse de seulement 600 habitants qui cultive avec beaucoup de délicatesse, comme nous allons le voir, l'art des couleurs, des peintures et des fleurs. Le pourpre de ses buissons typiques contraste avec les bleus profonds de la mer Égée. Petite balade dans Kora, la capitale de l'île. Dans ces ruelles, nous sommes scotchés par cette architecture simple, homogène et harmonieuse. Ici, on ne cultive pas les fleurs, on cultive l'amour des fleurs. Admirez cet assemblage de couleurs. Nous ne sommes pas déçus, c'est le charme grec que nous recherchons. C'est véritablement un bel endroit pour un photographe. Avec des sujets de toute beauté. Les bougainvillées, les hibiscus, colorent de jolis petits balcons en bois qui font tout le charme de cet endroit ravissant. Folégandros est réputé pour la tranquillité de ses plages. Celle de Katergo, située à l'extrême sud de l'île, est à une bonne heure de marche. Had a little lamb, his fleece was white as snow, yeah. Everywhere the child went, you know the lamb was sure to go, yeah. He followed her to school one day. Encore quelques centaines de mètres, et voici la plage. What a time did they have, sauvage à souhait. That day at school. Voici la fleur séchée de la férula communis ou fécule commune.
tisket, tasket, baby. A green and yellow basket. Sent a letter to my baby. On my way, I passed it. En attendant le bateau. En dessous, c'est Star avec le trou. On voit pas beaucoup. J'ai l'impression qu'on était plus haut. On voit pas beaucoup la fenêtre de votre chambre. Un dernier regard circulaire sur cette île magique. Et voilà notre bateau. Non, je rigole, c'est celui-là le bon. Le Seajet 2. Destination, l'île de Yos. Troisième étape, l'île de Yos. Nous arrivons à l'île de Yos. Oui, nous allons bientôt accoster. Yos ou l'île du dilemme. D'un côté, c'est l'île où on aime faire la fête. Et d'un autre côté, c'est l'île des promeneurs qui caressent de leurs yeux les sites sauvages et protégés. Voici la plage de Milopotas. Et c'est dans cet hôtel, près de la plage, que nous allons séjourner. Au calme, car en cette période de l'année, les touristes ne sont pas encore arrivés. Très sympa, le propriétaire nous autorise à pique-niquer au bord de la piscine. Profitons un peu de cette plage de Milopotas pour nous promener. Et rinçons-nous les yeux dans cette eau claire et pure comme vos âmes. Oui, on peut aussi se rincer les pieds. Nous voici au village de Cora. Avec son église byzantine, Panagia Gremotissia du XVIIe siècle. And through a fractal breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. Original. You got a little crazy. No way.
un autre bar original. Encore un autre bar. Tiens, encore un autre. En fait, quand la saison bat son plein, la plupart de ces bars sont fréquentés par des jeunes, très jeunes, en fin d'adolescence. Ils feront des concours de boissons et danseront toute la nuit. Mais pour nous, hors saison, ces affiches participent au charme de ce village et à notre dépaysement. Nous allons monter en haut de cette colline décorée par ces trois adorables petites chapelles. 3 sur 365, c'est le nombre de chapelles disséminées sur cette île, soit autant de jours qu'on comporte une année. Nous sommes arrivés en haut avec un point de vue à la hauteur de nos espérances. Nous arrivons à la dernière étape de notre périple dans les Cyclades. L'île de Santorin ou Santorini, appelée aussi Terra ou Tira. Nous accostons sous une mer houleuse. Et arrivons sous la pluie, une fois n'est pas coutume. Située dans le village d'Akrotiri, voici la pension où nous allons séjourner 3 jours. Voici Eva, la propriétaire, qui concocte une cuisine délicieuse. Akrotiri est un village très paisible. C'est également un site archéologique remarquable,
que nous avons visité. Ce site révèle des détails fascinants sur la civilisation minoenne avec une architecture élaborée et des fresques remarquables, figées dans le temps, comme à Pompéi, par la lave volcanique. Voici la fresque des antilopes. Celle des singes bleus. Admirez la grâce de ces dessins. La fresque du printemps sur quatre murs, avec rochers, lys rouges et hirondelles. Cette fresque témoigne de l'amour des Minoens pour la nature et l'horticulture. Enfin, voici la célèbre fresque des jeunes boxeurs. Toutes ces fresques, qui remontent au XVIIe siècle avant notre ère, sont conservées au musée archéologique d'Athènes. Je présente Mathéos, ou Jacques Lebeau, avec qui nous avons eu plaisir à discuter lors de nos repas à la pension. Ancien journaliste d'investigation et co-auteur d'un livre intitulé « L'argent du cancer et du sida », dénonçant les pratiques scandaleuses de certains milieux médicaux. Avec ses maisons blanches accrochées à flanc de falaise, voici Phira, la capitale de Santorin. Où les commerces sont partout. Phira, capitale grecque du tourisme. Mais quelle belle ville! Cet enchevêtrement subtil de maisons et de terrasses est invraisemblable. Choix des couleurs et le goût pour la déco. Thank you.
voici la caldeira de Santorin, avec en son centre l'île de Nea Kameni, que nous allons visiter aujourd'hui. Cette île est la partie active du volcan original qui, à la suite de son effondrement vers 1600 avant notre ère, a donné naissance à la caldeira actuelle de Santorin. Grâce à un fléchage judicieux, on emprunte le cable car ou téléphérique qui nous emmène au vieux port de Ferra. Mais c'est la montée, oui, ça doit être quelque chose. Hein. Bon, regarde ici. Ah bah, il y a du monde à cheval. Voilà. Bientôt, nous allons monter dans ce beau voilier. On est ravis d'y prendre place. Et c'est parti. En surplomb de la caldeira, zoom sur Oia, que nous visiterons tout à l'heure. Beau contraste entre le bleu de la mer et les roches noires volcaniques. Nous approchons du but. Voilà, vous avez une idée du nombre de passagers que nous étions. Du sommet de cet univers minéral, nous sommes sur une autre planète. Profitons de ces lieux pour prendre un bain thermal dans une source d'eau chaude légèrement sulfureuse de 30 degrés environ. N'est-il pas heureux cet homme ? Descendu tout à l'heure par le téléphérique, avec ce conducteur, nous allons remonter maintenant à Fira par la voie des ânes. Cette promenade fut une partie de franche rigolade. Là, Jean-Michel,
de Dieu, encore un de saint Pimo. Oui, Jean-Michel maîtrise parfaitement sa monture. Voilà, c'est l'arrivée. Voici le bijou de Santorin, à l'extrême nord de l'île, le village d'Oïa. Avec un assortiment de plantes, de maisons, de couleurs inouïes et inoubliables. Assemblage de formes et de matières pour touristes fortunés, ces Grecs sont eux-mêmes des artistes. La décoration est raffinée et de bon goût. Elle n'a qu'un seul but, attirer l'œil. C'est réussi. Commerçants, ces Grecs ont aussi le sens de l'humour. Même les maisons aux peintures d'Ekati sont belles.
Tes yeux blancs, tes cieux bleus sont merveilleux. J'oubliais, les restos et la cuisine grecque valent le détour. Avec des cartes originales, parfois pleines d'humour. Et cerise sur le gâteau, même s'il n'y en a pas en Grèce, certains restos nous offrent des spectacles. J'oubliais aussi, sans trop de soucis, nous avons couché avec le soleil. Simple merveille. Non sapevo che tu, tu mi amavi mai. La lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me.